Ah, la route était quand même très technique. Oh, les micros, on est par terre. On vient de se faire arrêter par la police. Ça m'a mis en difficulté. Je me sens vraiment trop bien là. C'est incroyable. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve directement au cœur de l'action. On est prêt à partir. C'est le cinquième jour de notre grand road trip dans le nord de la Thaïlande aujourd'hui. Là, on va quitter Phayao pour aller en direction de Chiang Dao dans la province de Chiang Mai. Donc là, on a à peu près 190 km à faire aujourd'hui, je crois. Donc je vais commencer avec les 120 premiers kilomètres. Là, on va s'arrêter au bout de 120 km du coup pour aller voir un point de vue sur les montagnes. Là, on commence à vraiment un peu plus s'éloigner. Chiang Dao, c'est vraiment un petit village au cœur des montagnes qui est très touristique d'ailleurs pour les Thaïs et qui commence à le devenir de plus en plus auprès des touristes occidentaux. Ça donne un point de vue sur une montagne à 2100 mètres d'altitude, ce qui est très haut pour la Thaïlande, vu que la Thaïlande n'a pas vraiment de haut sommet. Donc voilà, c'est le programme pour aujourd'hui. C'est parti, en direction de Chiang Dao. C'est l'heure de la petite pause, on est arrivé au viewpoint. On va laisser Titine, apparemment il y a une plateforme un peu plus par là-bas, on va aller voir. Là, les 40 dernières kilomètres, c'était quand même un peu plus technique. On a monté. La route était en un peu moins en bon état, il y avait quand même pas mal de trous. Mais bon, ça l'a fait en prenant bien les virages, en faisant bien attention. Là, la route était quand même très technique. Je pense que c'est la route la plus technique qu'on fait là depuis le début, hormis nos histoires où on s'est retrouvé dans les pistes, etc. dans la dernière vidéo que vous avez vue. La vue est très jolie, hein. C'est très beau là. Très beau. Il y en a encore, ouais, il y en a encore derrière, tu vois. Ils sont cachés. Ouais, on voit pas, c'est très brumeux hein, quand même. Vous voyez pas, vous, je pense, à la caméra, mais là, tout le long derrière, on distingue un peu encore l'ombre
des montagnes. Alors, pour la petite histoire, je ne vous ai pas raconté, mais il nous est arrivé une péripétie avec le drone quand on le faisait voler dans les montagnes juste avant d'arriver à Fayao dans la dernière vidéo. On a eu un petit crash, on s'est pris en fait un fil électrique quand monsieur a voulu le ramener vers nous et on voyait vraiment pas les fils, donc il s'est crashé, mais physiquement il n'a rien du tout. On a pu le récupérer sans souci, voilà, il va très bien, on peut même le faire décoller. Le seul problème c'est que on voit flou, donc voilà, on va aller le faire réparer quand on retournera à Chiang Mai. Il y a un réparateur avec qui on a discuté et qui a dit qu'il pourrait certainement arranger tout ça, on espère en tout cas. Mais voilà, je pense pas qu'il y aura de plan de drone dans cette vidéo, à moins qu'on trouve une solution pour déflouter les plans. Mais ça me paraît un peu compliqué. Bon, dans tous les cas, ça nous empêche pas hein, de profiter de la vue. Mais elle est où la plateforme? Elle est vers le bas normalement? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc la fameuse plateforme que je voyais sur Google, elle est tout là-haut. Bah non, si. Bah il faut manger là où on était tout à l'heure. Là on va aller là pour voir la vue un peu, mais... Donc oui, donc je disais, dans tous les cas, ça nous empêche pas hein, de profiter de la vue là. De toute façon, je pense que le drone n'aurait pas apporté grand chose parce que c'est vraiment très très brumeux quoi. On voit pas énormément la végétation, enfin la végétation si, on l'a en face de nous. On voit pas énormément les montagnes en arrière-plan. Donc je pense qu'en drone, ça n'aurait pas donné grand chose. Ouais. Bon, très sympathique quand même en tout cas. La végétation est un peu différente là de ce côté-ci, c'est beaucoup moins cramé, beaucoup moins brûlé que du côté de Fayao et du côté de Lampang surtout, où c'était vraiment très très sec. Là c'est quand même un peu plus vert. Ils diront que ce pays se tapait toute la route de merde. C'est beau hein. Bon, on s'est trouvé un petit coin. Ça, ça a l'air tout abandonné. En tout cas, bah, y a rien. Il y a des tables, des chaises. Mais c'est tout. On va avoir une petite vue sympa pour manger. On s'était arrêté à 7-Eleven sur la route, évidemment, pour se faire un petit pique-nique. Ouais, je sais pas, il y a de l'eau et tout. On dirait pas vraiment que c'est abandonné. Hein. Oh, c'est pas abandonné. Je sais pas. Sympa. Et c'est parti pour faire 64 km. Je vais continuer à rouler parce que petit monsieur est un peu fatigué. Là, on va directement dans Mchiangdao. Il y a plusieurs points qui nous intéressent dans le village, dont le premier qui sera une grotte.
font un petit stop rapide là. On est à 25 km de Qingdao. Je suis éblouie par ce qu'on voit. Vraiment, je suis choquée à quel point c'est magnifique. Les montagnes là, elles ont vraiment une forme particulière avec des rochers qui sortent. Les couleurs sont trop belles, ça tire un peu sur le rouge orangé. Et là, pour le coup, on est descendu dans la vallée, c'était très vert avec des rizières partout. Enfin, je pensais pas voir ça. Je suis ébahie parce qu'on a déjà vu des choses magnifiques durant ce road trip en voiture. Mais là, on est à un niveau, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on vient de se faire arrêter par la police. Là, il y a quelques kilomètres, il y avait un barrage et rien. Ils nous ont juste regardé, dit bonjour et voilà, ils nous ont laissé passer. Même pas de contrôle de papier, rien. Bon, de toute façon, on est dans les règles, mais voilà, c'est la première fois qu'on se faisait arrêter en Thaïlande. En tout cas, là, c'est tellement, tellement incroyable. Thank you.
vient tout juste de sortir de la grotte. Bah franchement les gars, pour 40 bahts, je recommande vraiment vraiment. Au final on peut bien avancer. Il y a une partie qui est avec guide obligatoire et ça coûte 200 bahts pour avoir le guide sur toute une zone qui est non éclairée. Mais franchement je vous recommande pas spécialement de le faire parce qu'elles ont des toutes petites lampes. Et donc je pense qu'on n'y voit vraiment pas grand chose. Et honnêtement là, vu déjà ce qu'on peut faire pour 40 bahts, ça vaut pas le coup selon moi de payer pour voir plus. Surtout qu'on ne doit pas voir énormément comme je vous l'ai dit. Donc ouais non, vraie bonne surprise hein. C'était vraiment cool, vraiment joli à l'intérieur. Et là, quoi ? Ah oui, bah au début on pensait que... En fait, on est rentré et au bout de, je sais pas, 20 mètres, il y a une dame qui est venue nous voir pour nous dire, voilà, pour le guide, elle ne parlait pas anglais, donc elle nous montrait le panneau et nous disait, voilà, pour aller plus loin, c'est avec un guide, etc. Et donc nous, on pensait qu'on pouvait vraiment aller zéro plus loin. Donc on était là en mode, bah, on n'a rien vu en fait, c'est de l'arnaque, on avait juste vu une petite entrée avec quelques stalactites, mais c'est tout. Donc on s'apprêtait à repartir. Et il y a une des guides qui parlait anglais qui nous a couru après, qui nous a dit non mais venez, le chemin là-bas, vous pouvez y aller tout seul, tout ce qui est éclairé, vous pouvez y aller solo, c'est vraiment la partie sombre, vous pouvez pas y aller. Et donc du coup bah, on l'a remercié, puis on est revenu et on a fait la partie qu'on pouvait faire et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait faire vraiment un long long chemin en autonomie. On a peut-être fait 100 bons mètres je pense quand même dans la grotte, donc ouais ça vaut le coup franchement pour le prix. Et là la nature aux abords de la grotte est très très sympa. C'est super joli. Nous, on va tranquillement reprendre la voiture et faire encore quelques kilomètres pour aller voir un temple là dans la nature aux alentours de Qiangdao. Et ensuite, on ira à notre hôtel parce qu'avec tout ça, il est déjà bientôt 16h. On aura quand même pas mal roulé aujourd'hui. Ça aura fait en tout 200 kilomètres. Et j'ai tout fait. donc ouais, ça fait quand même pas mal de route. Là, je commence un peu... fatiguée, donc ça va faire du bien de se poser et vous allez voir le logement qu'on a réservé pour cette nuit et en plus très très sympathique. On aura normalement une très belle vue, donc j'ai hâte de voir, mais en tout cas super endroit, je recommande vraiment de passer ici. Je me sens vraiment trop trop bien là. Je trouve ce road trip en voiture nous a vraiment donné une autre perspective de la Thaïlande qu'on connaît pourtant si bien. De pouvoir explorer des routes comme ça totalement paumées au cœur des montagnes. De pouvoir prendre des chemins qu'on prend pas en bus, qu'on peut pas prendre si on n'est pas en voiture tout simplement. Parce que même en scooter ça fait énormément énormément de kilomètres et... Vu comment c'est montagneux, bah compliqué en scoot en plus. Déjà qu'en voiture, Pomi, elle a eu un peu du mal hein, quand même. Donc ouais, ça nous a vraiment donné une autre image. On est passé dans des petits villages paumés, plein de choses qu'on n'avait pas spécialement déjà vues, alors que pourtant on en a passé du temps dans ce pays. Mais voilà, on voit encore un autre aspect de la Thaïlande. Et ça me fait aimer encore plus ce pays. Parce que c'est le jour 5 et vraiment ce road trip pour l'instant du début à la fin. On a vu des choses mais vraiment magnifiques et aujourd'hui ça met encore la barre très très haute. C'était une super journée et Qiangdao là, l'atmosphère, j'aime beaucoup.
le temple qu'on voulait aller voir est en travaux. Mais la balade valait le coup, c'était super joli, la nature elle est incroyable ici. Et ils sont tellement tellement hauts ces pics là. Je vais y monter, hein. C'est fou. Ah ouais, on voit un petit drapeau en haut. Vraiment là, on a découvert une pépite les gars, Xiangdao, c'est incroyable. Et oui, on discutait avec monsieur et ça nous fait beaucoup penser à Tam Quoc au Vietnam, qu'on avait adoré aussi. C'est un peu dans le même style, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des pics, de la taille des pics. Ça nous fait beaucoup penser à cela. Sauf que ici, c'est quand même un peu moins touristique hein, que Tam Quoc. C'est vrai que Tam Quoc, ça reste un des endroits phares du Vietnam. Ici, il y a un peu de monde hein, quand même. Il y a des Thaïs, il y a des Occidentaux, on a vu un peu de tout. Mais c'est pas encore du niveau de Tam Quoc. Mais je pense que vu la beauté de l'endroit, ça risque de le devenir. Parce que là, vraiment, c'est du très très haut niveau. Il y a une autre grotte au niveau du temple. Le temple est juste là derrière. Donc on va aller y faire un petit tour. Celle-ci est gratuite. Ça a l'air petit, mais c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est mignon comme on dit. Et on vient d'arriver les gars, l'endroit est incroyable. On est juste là, je vais vous montrer. On paye 24,50€ la nuit, je crois, un truc comme ça, je vous le noterai à l'écran. Petit déjeuner inclus, donc excellent rapport qualité-prix pour ce que vous avez. C'est nickel à l'intérieur. Et la vue, mais regardez-moi ça. On a directement vue sur la montagne. Je pense qu'on aura une meilleure vue encore en montant là-haut. On verra ça après. Mais on est vraiment paumé en pleine nature. On a pris une petite route de terre pendant 500 mètres. Et je vais vous montrer un peu. Hein. Mais la vue là-bas au niveau du restaurant est encore plus jolie. C'est sublime. On peut faire un feu ici. Regardez ça. Non mais sérieux quoi. Je suis choquée. C'est tellement, tellement paisible, tellement beau. Là on a le bungalow le moins cher nous. Mais sinon vous avez des bungalows un plus chers qui donnent directement la vue sur la montagne. Mais bon, nous ça nous allait très bien. Puis on a quand même, il n'y a personne ici. Hein. Donc nous on a quand même la petite terrasse là-haut. On va monter voir. Monsieur est parti chercher la voiture. Ensuite je vous montre la chambre. Waouh. Non mais sérieux. Oh waouh. Mais c'est incroyable. Je suis tellement tellement contente d'être ici. La Thaïlande c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Une petite mamie qui nous a reçus, c'est trop mignonne. Ça me fait penser à ma mamie. Coucou mamie, je sais que tu regardes cette vidéo. Et voici la chambre, tout équipée. On a le frigo qui est juste là. Et voilà. C'est vraiment vraiment bien. C'est tellement paisible ici. Un petit canapé par là.
rien à dire. On a le lavabo directement à l'extérieur, juste ici. Et la salle de bain, par là. C'est très bien. Vous voyez ces arbres là qu'on voit, qu'on avait tout le long de la route hier pour venir à Qingdao. On a demandé à Mamie parce qu'on se demandait ce que c'était. En fait, ce sont des arbres à longan. Donc longan, le fruit hein, qu'on a déjà mangé plusieurs fois en Asie, et on en trouve un peu partout. Mais on n'avait jamais vu l'arbre. Donc voilà, on a notre réponse. Là, vous voyez, la Mamie, elle en a planté partout dans son jardin parce que non, c'est une propriété énorme. Il y a un verger, tout ça. Et là, on en voit des petits longan qui sont morts, hein, ceux-ci, mais voilà. Et la petite vue du matin, là donc 2100 mètres en face de nous. Je me sens vraiment trop bien ici, j'ai pas envie de partir. Franchement je recommande à 10 000% cette adresse. Vous avez vu le petit déjeuner qu'on a eu les gars, mais les quantités. Là on est vraiment plein de ouf. Programme pour aujourd'hui, du coup dernière journée de notre trip avant d'aller rendre Pomi demain. Je suis trop triste, enfin je suis trop heureuse, mais voilà, un peu triste quand même que ça se finisse parce que c'était vraiment trop bien. Aujourd'hui, on prend la direction de Mae Kampong. Alors là, on est dans un petit village de 500 habitants, encore plus perdu que tout ce qu'on a fait depuis le début. Mais pour aller à Mae Kampong, on n'est pas très loin. On a seulement normalement 115 km à faire. On doit redescendre en fait en périphérie de Chiang Mai pour ensuite aller dans le village. Sauf que... vous le savez, on doit faire réparer le drone, donc on va en profiter pour s'arrêter au magasin qui lui est complètement en périphérie de Chiang Mai justement. En plus de notre côté, côté est, enfin c'est parfait, c'est vraiment sur la route, ça rajoute seulement 10 km aller-retour d'y aller. Donc c'est nickel, on va s'y arrêter et le déposer maintenant. Plus on le dépose tôt, plus on a de chance que le mec arrive à le réparer. Là il va le garder le temps qu'il faut en espérant que ce soit ok. Il nous reste encore 8 jours en Thaïlande, donc il a 8 jours pour faire le nécessaire. On croise les doigts, mais voilà, on va faire un petit stop en périphérie de Chiang Mai avant d'aller à Mae Kampong. Il n'y a pas de choses particulièrement intéressantes hein, aujourd'hui là sur la route. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment dans le village de Mae Kampong. Donc on va directement tracer aujourd'hui et faire les du coup 125 km.
vient d'arriver à Mae Kampong. Alors déjà, on s'attendait pas du tout à ça. C'est blindé, blindé de monde, de Chinois surtout. C'est en fait le nouvel an chinois là actuellement. Et donc, bah forcément, tous les touristes chinois voyagent partout. Donc il y a beaucoup de monde. Là, en fait, il est 14h seulement, mais on veut trouver notre hébergement tout de suite. Et moi, c'est noté seulement en thaï sur ma réservation Booking. On a réussi à trouver le logement sur Google en copiant le nom en thaï. Mais là, on est paumé. Il y a que des hôtels, que des hébergements partout. Et on ne sait pas du tout où aller. Il n'y a personne. On est vraiment isolé en fait sur une route en contrefond. C'était la galère pour venir jusqu'ici. C'était une toute petite route. Il y avait beaucoup de voitures. C'était une frayeur à chaque virage. Vraiment, c'est moi qui avais le volant. J'ai stressé de ouf. Mais là, bah, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas où aller. Mais choqué du monde ici, quoi, parce que c'était vraiment hyper isolé pour le coup. On est vraiment au fin fond de la forêt et la route se termine là, il n'y a rien après. Donc voilà, je ne sais pas comment on va s'organiser aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses à voir, on a un viewpoint, une cascade, mais bon, j'ai peur que là, il y a vraiment énormément, énormément de monde. C'est des maisons un peu anciennes, en bois comme ça partout. Les hébergements sont très chers hein, dans le coin, c'est très touristique ici pour les Thaïs. Donc là, vous allez voir la chambre pour le prix. Je pense qu'on va être déçus. Mais on va bien voir. En tout cas, là, on aimerait bien trouver où est-ce qu'on doit aller. Ça y est, on a trouvé, on a demandé et nous y voilà. Quelle galère. Bon, maintenant, il faut trouver quelqu'un. Il a dit à l'intérieur le thaï à qui on a demandé. Et on vient d'arriver, l'environnement est vraiment incroyable. Regardez ça les gars, on a même une cascade directement dans le logement ici. C'est fou. Et là, voilà, ça c'est notre petite terrasse privée avec notre frigo à l'extérieur. C'est très très beau, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Un style encore différent, mais là on est vraiment en pleine jungle, en pleine nature. C'est quelque chose. Hein. Et la chambre juste ici, alors on a été surclassé en fait gratuitement avec Booking. Donc on a deux lits, un par ici. Et un par là, on paye 32 euros, un peu plus de 32 euros la nuit, petit déjeuner compris. Donc franchement, on a la clim, non? Non. Bon, on n'a pas besoin là. Non, je pense que là ça descend. Ouais, je pense aussi. Regarde. Ouais, on a les grosses couvertures effectivement. Je pense qu'on va avoir peut-être un peu frais la nuit. Bon, c'est très sympa. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Ah, mais l'environnement, c'est. Ouais, et on a deux salles de bain du coup. C'est rare d'avoir cet environnement. Voilà. Très cool. Et on a discuté un peu avec elle et elle nous a dit, nous a conseillé en tout cas de pas reprendre la voiture parce que là on a une place et il y a genre très peu de place, on peut garer genre 3 voitures max. Donc si on rebouge la voiture, clairement on n'aura pas de place en revenant. Donc elle nous conseille de tout faire à pied. Là la cascade est à 15 minutes à pied donc ça se fait très bien. Et après on peut manger là, c'est cher. Et le viewpoint est à 4 km. Mais bon. Je pense qu'on va quand même essayer d'y aller, même si ça fait un peu de marche. Dans tous les cas, c'était trop risqué là de reprendre la voiture. Il y a vraiment du monde, ça monte, ça descend et la route est minuscule. On ne veut pas prendre de risques. Déjà qu'il va falloir sortir d'ici demain, donc voilà. Oh, on va. Ouais, ça va le faire, mais. On ne peut pas reprendre la voiture. Ouais, on va éviter de prendre des risques parce pour rien. Et... Il y a des camionnettes qui ramènent les gens en haut. Ouais, je crois aussi. Non, mais voilà, on va faire à pied, ça fait. Il y a mon petit monsieur qui est parti en exploration. On peut aller vraiment partout ici, il y a des petits ponts, etc. Mais c'est quand même fou de dire qu'on a notre propre cascade quand même. Il y a des chambres qui sont quand même beaucoup beaucoup moins bien que la nôtre. La chambre d'en dessous par exemple, elle n'a pas de vitre. Elle a juste une moustiquaire. Voilà. C'est du route. C'est aussi moins cher, je pense. Enfin, j'espère. Bon, petit point rapidement pour le drone, on l'a laissé du coup à Chiang Mai et voilà, on va le récupérer quand on reviendra à Chiang Mai dans une bonne semaine maintenant. On espère que ça va le faire et qu'on va arriver à le récupérer en état. Mais voilà, le mec semblait assez confiant et bon, on verra ce que ça donne. Un petit point quand même sur la route. Écoutez, on a trouvé ça super de rouler là en Thaïlande sur ces 6 jours. C'était trop bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, je m'attendais à ce que ce soit plus dangereux. Au final, il y avait quasiment personne sur les routes qu'on prenait, vu qu'on prenait des routes secondaires. Beaucoup de routes de montagne, mais de très très belles routes. Franchement, hier la route était un peu technique avec les trous, etc. Elle n'était pas en hyper bon état, mais ça allait encore. Là, la route la plus difficile qu'on a faite, c'est quand même celle d'aujourd'hui. Dans le sens où elle est minuscule et il y avait quand même pas un peu de monde sur la route. Et voilà, bon, c'est elle la plus dangereuse, hein, clairement.
Mais sinon, honnêtement, on a trouvé le réseau routier très très bon. Et on a adoré ce road trip, vraiment. C'était trop trop bien. On a découvert des coins insoupçonnés. Et la Thaïlande nous surprend encore, comme toujours. Gros coup de cœur, hein, vous l'avez compris, pour Chiang Dao, là où on était encore ce matin. J'ai adoré cet endroit, c'était vraiment trop bien. Mais il y a eu beaucoup de belles choses sur ce road trip. Un peu triste que ce soit fini, parce que là on rend la voiture donc demain à Chiang Mai. Là on est à 60 km, même pas. On la rend directement à la station de bus, qui est hyper, hyper pratique. Parce qu'on enchaîne directement en fait avec la prochaine destination, on prendra le bus directement. Donc ça c'est vraiment cool pour le coup, mais voilà, c'était une sacrée expérience, une sacrée aventure, mais trop contente de l'avoir faite. Et au final, au niveau du nombre de kilomètres, tout ce qu'on a fait par jour, ça a été, on a roulé entre 120 km et 210 je crois au maximum. Donc ouais, on a pas mal roulé, mais c'était super. C'était super. Je vous note à l'écran le nombre total de kilomètres qu'on aura fait sur ce road trip. Je pense que c'est encore une autre manière de découvrir la Thaïlande. Et ça permet vraiment d'aller en profondeur dans le pays, de découvrir autre chose, des choses qui sont moins accessibles en transport. Et zéro regret de l'avoir fait, zéro vraiment. C'était trop bien. Il faut savoir que le prix aussi est dégressif. Là, on l'a payé du coup 24€, un peu plus de 24€ par jour. Mais si vous la louez par exemple pour un mois, vous payez plus que 550 bahts par jour. Donc c'est vraiment pas grand chose pour le coup. Donc voilà, franchement, si vous aimez rouler, je vous recommande vraiment de louer une voiture en Thaïlande, parce que ça se fait vraiment très très bien. Donc voilà pour le petit point voiture, le petit point road trip. Là on a pris quelques petits snacks, hein, comme toujours, un 7-Eleven. On peut manger ici ce soir, c'est pas très cher au final. Et on va enchaîner en direct avec la cascade. Et le point de vue, Ils sont en gros sur Masmi, il y a 1h10 de marche et 500 mètres d'altitude. Ah oui, ça grimpe bien quand même. 1h10 de marche, en vrai ça le fait, c'est un peu long mais bon. En fait on sera pas sur la route. On sera pas sur la route, il y a un chemin. Ouais. Ah cool, ça peut être sympa du coup. Ça fait un peu plus de 2h l'aller-retour. Il est quelle heure? Bientôt 15h. Faut pas traîner quoi. C'est parti les gars, on décide finalement de monter au point de vue. Maps midi, 1h de marche, 400 mètres de dénivelé, je pense qu'on va mettre un peu moins. Surtout que là il fait pas très chaud et que c'est des escaliers. Donc ça devrait aller. En tout cas je suis étonnée, c'est vraiment hyper sauvage. C'est pas très aménagé ni rien. Donc franchement c'est hyper... C'est hyper agréable. On continue à monter et en fait la cascade elle est énorme, et le petit bout de cascade qu'on a à notre logement, ben c'est celle-ci en fait, c'est celle-ci, donc c'est vraiment immense, c'est magnifique.
filmer avec la GoPro. On a croisé un taille au niveau de la cascade, on prenait le mauvais chemin. En fait, c'est pas indiqué du tout et c'est pas hyper bien balisé comme vous voyez. Il a été trop cool parce que vraiment on s'embarquait dans un truc. Là, on vient de faire une sacrée côte. Je sais pas si on va redescendre par là parce que c'est pas franchement simple et ça glisse beaucoup, donc en descente, je pense ça va être compliqué. Après, il y a la route hein, de toute façon pour redescendre, c'est pas le problème. Le truc, c'est qu'on a lu les commentaires et apparemment il y a pas mal de chiens errants assez agressifs sur la route. D'ailleurs, hein, ça, j'en l'ai pas précisé, mais ça a été quand même un problème hein, sur nos 6 jours de conduite. Dans le sens où bah, y en a partout, et ils se mettent sur la route et ils ne bougent pas quoi, ils ne bougent pas d'un poil, ils ont absolument pas peur des voitures, donc ça peut être vite dangereux parce que ça peut traverser comme ça d'un coup quoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'accidents en Thaïlande à cause de ça. Je regarde le chemin parce que j'ai pas envie de croiser un serpent, mais c'est inattendu quoi, c'est quand même incroyable. Par contre ouais, c'est pas balisé quoi. Après on voit quand même le chemin, mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse un truc pareil aujourd'hui. De base c'était censé être tranquillou pilou en voiture quoi. Et là on se retrouve à faire une randonnée de la mort dans les broussailles. Attention à la bouillasse hein. Hein, fais attention. Bouillasse là. Oui. Là, ah là, là. Tu veux renoncer? Ne panique pas, hein. Je vais faire une pause. Non, je veux pas faire le film. Doucement. Bon, déjà ça m'a mis en difficulté cette rando, c'est pas fini, mais à un moment donné on était à côté du vide et ça glissait de ouf et je sais pas, j'ai paniqué. Bref, c'est pas spécialement dur physiquement, on a fait tellement pire que là c'est de la rigolade, mais c'est la jungle quoi, c'est vraiment la jungle, on a pris ce petit chemin. Bref, tout ça pour vous expliquer, à Mae Kampong c'est spécialisé dans le café. Ils font leur propre café en fait, et là on est dans la jungle et on a trouvé du café sauvage, c'est un truc de fou. Il y en a plein partout. Et oui, il y en a plein, il y en a là-bas. Voilà. Donc on n'ira pas goûter du café de Mae Kampong. À moins qu'on en ait au petit-déj demain matin, c'est fort probable d'ailleurs. Parce que là il est 16h. Le temps qu'on arrive, on va redescendre par la route parce que là, clairement c'est impossible de redescendre ça. Enfin, c'est beaucoup trop dangereux. Surtout qu'il va commencer à faire nuit, enfin il fait nuit à 18h. Mais là avec la jungle et tout, on va très vite plus y voir grand chose, donc on prendra la route. Il reste combien de temps? 700 mètres Après on n'est pas au viewpoint, après il faut marcher encore un peu. Ah ok. Là c'est jusqu'à la barrière. D'accord. Tu l'as fait où? J'ai envie de m'écrouler par terre. Oh, oh shit. Oh. C'est notre vue à l'arrivée. On n'est pas encore au viewpoint. Ouais, c'est très beau. Par contre, j'en veux plus. C'était tellement éprouvant. Oh là là, on est griffé, épiné de partout. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh.
Non, non, qu'est-ce qu'il me veut lui? J'attends. Oui, oui, bah il te sent quoi. En fait, ici, à ce viewpoint, on est à la frontière entre la province de Chiang Mai à droite et la province de Lampang à gauche. Donc ils ont fait ça. Par là, on est côté Chiang Mai. Et par là, on est côté Lampang. C'est magnifique. On a fait 1,5 km en descendant sur la route. On a croisé trois chiens errants, on s'est fait un peu aboyer dessus, mais ça allait. Et ensuite, en fait, on avait rencontré trois jeunes de Birmanie au point de vue. Et on a discuté avec eux, ils étaient très cool, ils nous ont pris en photo, on les a pris en photo, enfin voilà quoi, la base. Et en redescendant, la camionnette qu'ils avaient est passée devant nous. Et donc ils ont demandé aux Thaïs de s'arrêter pour nous pick-up. Donc grave cool, on a discuté avec eux en descendant, c'était très sympa, ils étaient vraiment très cool et ils parlaient vraiment très très bien anglais. Donc écoutez, très bonne rencontre là pour terminer et magique hein, de terminer sur ce viewpoint là. Là on est en train de reprendre le chemin dans la forêt jusqu'à notre hôtel. Franchement on a encore passé une journée incroyable, j'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Mais en fait, toutes les journées qu'on a faites pendant ce road trip étaient vraiment incroyables, magiques. Je sais pas quelle journée j'ai préférée, je saurais pas vous dire. Il y avait vraiment de tout, c'était varié, c'était magique. Trop, trop bien, je regarderai un souvenir, mais incroyable. Pendant ces 6 jours, j'avais des paillettes dans les yeux tous les jours. C'était merveilleux, j'ai pas les mots à quel point la Thaïlande, c'est magique, c'est magnifique. Ah là là, quelle vie. Je vous en sers maintenant le petit plan de la nourriture que l'on va manger ce soir. Donc moi c'est riz avec le porc à l'ail, plat classique hein, thaï, qu'on retrouve très souvent. Et ça coûte 60 baht. Voilà voilà, prix à notre homestay. Puis on va arrêter ce vlog maintenant qui doit déjà être bien assez long. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.